Bonjour. Je suis Leïla Bekti et je m'engage aujourd'hui avec les équipes de l'UNICEF pour les enfants de Gaza. La situation là-bas est tragique. Et les enfants sont les premières victimes. Avec les bombardements incessants, les enfants n'ont plus aucun endroit sûr. Ils ont peur. Et ils manquent de tout. Les hôpitaux, les maternités, les écoles, tous les lieux de refuge sont détruits, endommagés ou en péril. Ces infrastructures sont pourtant indispensables à leur survie. Plusieurs milliers d'entre eux sont séparés, non accompagnés ou orphelins. Le nombre de bébés et d'enfants tués, blessés, amputés ou malades est alarmant. Gaza est devenu l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les enfants. Ils font face à la famine et à de lourds traumatismes psychologiques. Les enfants ont le droit à la sécurité et à la dignité. Il faut les protéger. Il faut que ça s'arrête. L'aide humanitaire est essentielle. Ces restrictions sont meurtrières. Les enfants et la population civile ont désespérément besoin d'avoir accès à la nourriture, à l'eau potable et à du matériel médical. Les voies terrestres doivent être ouvertes de toute urgence. Les équipes de l'UNICEF doivent pouvoir continuer à agir pour protéger chaque enfant, à court et à long terme.